Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite un excellent matin et que le Seigneur puisse combler toutes tes demandes, tes besoins. Car il est le Dieu de providence, il est le Dieu de toute grâce et le Dieu de bénédiction. Et en ce matin, il regarde à ta vie, il regarde à tous tes problèmes. Il est conscient de tout ce que tu vis. Et nous savons qu'il est un Dieu fidèle, qu'il est un Dieu de bonté, qu'il est un Dieu de miséricorde. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu qui est venu pour nous sauver et il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas renoncé, il est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Alléluia. Dans l'évangile de ce matin, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Oh Seigneur Jésus, le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles et des guérisons n'est pas passé. Et nous savons, Seigneur, que ton esprit règne. Là où il est invoqué, là où il est demandé, il apporte la liberté, il apporte la guérison, il apporte la délivrance. Et c'est cette délivrance que je prie pour toi, mon frère et ma sœur qui m'écoutent, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de tous les assauts de l'ennemi, de tous les pièges, de toutes les flèches, de toutes les semences et les productions lancées par l'ennemi de nos âmes, Satan et ses suppôts, dans ta vie au nom de Jésus. Le temps des miracles n'est pas passé. Et toi-même, sois un signe de miracle. Toi-même, prie pour les personnes qui sont autour de toi, pour leur guérison, pour leur changement, pour leur conversion. Car comme nous le dit la parole, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand tu invoques le Saint-Esprit dans un problème donné de ta vie, il change l'atmosphère de ce problème. Il change l'atmosphère de ta vie. Car lorsqu'il est là, le monde des ténèbres ne peut pas subsister. Lorsqu'il est là, la puissance des ténèbres ne peut pas régner dans ta vie. Oh, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors je t'invite en ce matin, dans tout ce qui ne va pas dans ta vie, dans ton mariage, dans ton foyer, quel que soit le domaine de ta vie, dans tes études, dans ton travail, invoque la puissance du Saint-Esprit. Car lorsqu'il est là, les choses deviennent nouvelles, les choses sont transformées à la gloire de Dieu et pour notre bien. Alléluia. Alléluia, nous allons proclamer qu'il est là. Il est là depuis la Pentecôte, depuis que Jésus nous l'a donné, il est là et il continue d'agir. Le Saint
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons que un malade est guéri ce matin. Dans le nom de Jésus, nous proclamons qu'un paralytique a la force de se lever et de laisser tous les appareils qui l'aidaient à marcher et de marcher par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous proclamons qu'en ce matin, une femme qui était restée depuis des années sans pouvoir avoir un fruit dans ses entrailles puisse enfanter dans quelques jours, dans quelques mois, prendre cette conception en son sein dans le nom de Jésus. Nous le prions également pour les hommes. Seigneur, nous prions pour qu'une personne qui avait du mal à entendre, en ce moment même, au nom de Jésus, reçoive sa guérison dans le nom puissant du Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit. Et d'autres miracles, Seigneur, que tu daigneras accomplir parmi ton peuple, par ta parole que tu as relâchée ce matin. Et nous nous accrochons à toi, nous nous accrochons à ta force, nous nous accrochons au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, merci Seigneur. Et je viens te confier chaque frère, chaque sœur. Je te confie sa vie. Je te confie tous les domaines de son existence, sa destinée et tout ce que tu as prévu dans sa vie, Seigneur. Et que cela s'accomplisse par ta main puissante et par ta parole donnée. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Nous sommes dans le cœur sacré de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.